Salut à tous, c'est Capitaine Flamme et nous nous allons retrouver pour une vidéo sur Dofus avec mon roublard qui s'appelle Capitaine Flamme. Et aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo nostalgie parce que j'ai appris que dans quelques jours avec les donjons modulaires, mon donjon préféré de Dofus va être modifié. Ce qui m'ennuie fortement. Et je voulais le faire une dernière fois, mon donjon préféré qui est le donjon bloc. Avant qu'il soit modifié, et je vous ferai une vidéo encore après, une fois qu'il aurait été modifié, pour vous montrer les modifications. Donc première salle, tronc blob, blob pignon, blob brunette, blob indigo et blob griotte. Donc ça va aller, hein. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Donc en plus je ne suis pas sur mon PC. Que je vais faire le plus vite que je peux. Je vais jouer avec mes raccourcis si c'est possible, encore une fois. Alors là je vais vraiment bourriner, hein, je vous préviens, regardez pas comment on joue, c'est vraiment pour aller le plus vite possible. Là, des petites flammes à 142, c'est pas mal. Je vous augmente ça. Parce que vous me demandez souvent que je vous le fasse, parce que sinon vous voyez pas. Oh fuck. Fais chier. Les échecs critiques, franchement, ça sert à rien dans Dofus. Je vois pas l'intérêt. Oh putain, j'avais oublié que c'était un griotte. Nom de Dieu, nom de Dieu. Encore échec critique et c'est pas possible, j'en fais jamais d'habitude. Bien parce que je suis avec vous, parce que je vous jure franchement, j'en fais, mais quand vraiment pas souvent, c'est vraiment pas souvent. Hein, ouais. Je suis un soldat, boum, je suis un soldat. Alors, deuxième salle. Un blob indigo, trois blob pignons et un blob coco. On va se mettre en transparent, histoire de voir les monstres. Et on l'enlèvera. Juste après. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la map? En plus, moi je trouve ce donjon mais vraiment bien, quoi. Avant, il y a beaucoup de gens qui venaient pour XP et tout. Mais le fait d'enlever des salles, en fait, je crois qu'elle va être bloquée à 5 salles. Ça va vraiment être différent, enfin je sais pas, moi je suis tellement habitué à faire comme ça que... Je crois que c'est le donjon que j'ai fait le plus de tout Dofus, je dois l'avoir fait plus d'une centaine, voire 200-300 fois. Et enfin, je sais pas, ça va faire vraiment bizarre qu'il le retire. Voilà, on se remet en normal. Désolé mon gars. Je suis en vidéo. Voilà, t'as voulu que je te kick, et moi je t'ai kick. Je lui ai demandé de faire les challes. Voilà. Donc c'est vraiment là que j'ai grandi dans Dofus, on va dire. Merde, je suis con, j'aurais pas dû faire ça. Voilà. Ça c'est fait. Il fait pas les châles, ça commence bien. J'aimerais bien que le blob indigo se rapproche un peu, parce que là je vois rien du tout en fait. Par contre ça je sais pas si ça sert à quelque chose que je vois, que je le laisse. On
se met là, normalement je dois avoir la ligne. Et comme vous pouvez voir, je joue vraiment beaucoup avec le sort Flamish. Parce que c'est le seul sort que j'ai vraiment de loin en fait. Moi je fais la petite tombe dans sa gueule pour terminer. Ah. Oups. Tu m'as demandé si bon. Tu joues vite. Oui. Alors, on se lance. Là, un glouto. Et un bloc indigo, un bloc griotte, un bloc coco, un bloc pignon, un tronco. Merde. Je pensais pas que j'allais l'avoir en un coup. Tant pis. Ce que je ferais peut-être aussi, ce qui serait pas mal, c'est d'en fait prendre ma vidéo que j'ai enregistrée et faire un gros accéléré en fait. Et je vous montrerai quand je refais le donjon modulaire, faire les deux vidéos pour comparer en fait. Je verrai bien, c'est une petite idée que je viens d'avoir, ça pourrait être pas mal. Je tape de rien en fait avec mes dagbombes. Je crois que je vais aller les déboost vite fait. Enfin non, il faut que je fasse mon combo. Merde, j'appuie deux fois, je pense jamais que je vais les tuer en un coup. Ah mais non, j'ai bien fait. Je n'ai rien à dire. J'aurais mieux fait de me taire sur ce coup là. Le bloc coco. Il aime pas l'agilité. Il aime bien l'agilité justement. On le finit avec un petit pulsar. Ensuite j'ai essayé de me taper une zone pour pouvoir les dégommer avec le bâton. Ça franchement ça a changé. Ça va me faire bizarre de plus avoir un bâton. Parce que je l'ai pas eu longtemps, mais je me suis fort habitué à avoir le cac en zone. Et franchement, je sais plus c'est qui m'avait conseillé de faire ça, mais franchement c'est le pied. Oh, un roublard. Coucou, là on va jouer mur de bombe. J'ai essayé de faire les châles. Alors, lorsqu'un adversaire est attaqué, celui-ci doit être terminé avant d'attaquer un autre. Ça devrait pouvoir le faire. Ça va pas le faire ainsi. Comme ça, ça devrait être bon. Et on recule, espérant que le glouto. Voilà, parfait. Alors, on imagine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on va le bloquer ici. Voilà, on va prévoir ça pour si jamais il y en a un autre qui arrive. Ah merde, j'avais pas pensé à ça. Oh, fait chier. C'est pas grave, on va quand même le mettre dedans. Voilà. Encore un. La faire péter si c'est possible, mais allez, voilà. J'ai limité, non, merde, ouf, putain, j'ai de la chance. Je pensais pouvoir le finir avec une flamiche, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, on se met ici, on va aller faire une dague boomerang. Par contre, il y a un petit bug que je sais pas pourquoi ça fait ça. En fait, ça fait plus le son de mes sorts. Ça arrive souvent, je trouve. Je sais pas pourquoi ça fait ça.
on retire la transparence, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Alors là, un glouto, 4 troncos, un coco et un blobrinette. Encore une fois, on va bourriner. Oh non, on va faire le chat. Alors. Voilà, ça c'est pas mal. Donc encore une fois, pour tous ceux qui jouent un roublard, franchement, essayez de vous procurer un tutu. C'est vraiment génial. Fonctionnalité. Ah voilà pourquoi. Là on va te foutre ça dans la gueule. Voilà. Voilà, donc lui, on va les taper dans le mur de bombe. Ça va être assez marrant. Si j'arrive à faire tout ce que je veux, ça va être pas mal. Encore une case. Tu récoules et tu pètes avec les bombes. Voilà. On se booste et ensuite on bourrine dans le tas. Chacun son monstre. Ah mince, j'ai pas pensé que lui pouvait pas en tuer en fait. Comment je vais faire? Je bourrine ou je bourrine pas? Je vais aller par ici, même si je vais me taper. Voilà. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, ben, j'aimerais bien passer haut. En fait, tout mon stuff est prêt, mais il me manque faire un Kimbo pour commencer, en fait, parce que j'ai acheté ce chapeau-là en attendant d'avoir le casse-carnage. Et franchement, si tout se passe comme prévu, ça va franchement être génial, parce que je vais enfin pouvoir jouer vraiment bombe, à proprement parler, parce que à proprement dit plutôt. Parce que beaucoup de gens me disent que je joue pas du tout pas assez avec mes bombes. Mais c'est parce qu'en fait tous mes sorts des bombes sont pas vraiment montés. Donc déjà bot aimantation c'est niveau 1, rebourré niveau 1, surcharge niveau 1. Je sais que c'est pas évident, mais là comme je joue bi-élément, ben, je dois monter beaucoup plus de sorts que la moyenne. Le fait d'être un seul élément, pardon, ben, ça m'aider grandement pour pouvoir jouer bombe. Avance 2-3, on lui fait une flammiche, bim. Donc, je sais pas pourquoi, si vous savez pourquoi en fait le son de mes armes sont désactivés, mettez le moi dans la description, parce que c'est bizarre. Je sais pas, peut-être ainsi. Donc là, 4 gloutos, on prend sa vie. Est-ce qu'il est avec notre petit pote? Il vient derrière. Alors, on s'entoure d'un allié. Ah ouais, mais si je le tue, est-ce que ça continue? Là, mort. Alors, les adversaires doivent être décroissants. Donc le plus gros, c'est celui-là. Donc nous, on va se protéger avec des bombes ici à l'arrière. Je me demande si je passe à côté, si je me place à côté d'une bombe, est-ce que ça compte comme un allié? Je me rends pas compte. Donc là, le plus gros, c'est celui-là. Voilà, ainsi. Là, je sais pas comment je vais faire. À moins. Ouais, je vais me faire un roubla bot et un dernier souffle. Voilà, on va même faire un rebours, le... soyons fous. Aspirateur. Ah bah tant mieux, il est pas mort.
Celle-là, on va... Non, on va la garder. En espérant que celui-là va arriver assez vite. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Soit je le fais péter. Soit je le fais pas péter. Je vais le taper un peu avant. Je fais péter. Oh bah ça la one shot. Ah bah tant mieux, je pensais pas que ça allait taper d'autant. Tant mieux, tant mieux. Donc encore 4 glouto. 1108 quand même, hein. C'est pour vous montrer que ça tape vraiment fort, ces saletés. Logiquement, avec un pulsaire, je devrais lui faire très mal. Et une flammiche, et voilà. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait poudre, hein. Franchement, je sais même pas ma main. Ce que je fais souvent quand c'est comme ça, je lance une bombe, je fais ma maîtrise et je fais un pulsar. Voilà. En plus, je dois faire versatile, donc logiquement, ainsi ne devrait pas trop m'ennuyer. Donc là, je vais lui faire ça. Celui-là, je ne suis pas à portée. On va se mettre là, on va préparer le mur de bon. Et comme ça je le tue, comme ça c'est fait. Ah fâche, je pensais pas qu'il aurait autant de PM. Franchement ça me manquait les pulsars parce que ça tape vraiment fort en fait. Là, faudrait reski. Là. Voilà, on lui a enlevé un PA. Un CC. Et une grosse flammiche dans la gueule. Et il est mort, je sais pas comment. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Voilà. Donc on va t'attirer. Viens là et tu meurs. Voilà. Plus qu'un truc quoi. Pardon. Et on va lui faire des dagues de rang. Et logiquement on devrait le finir. Voilà. Donc voilà au boss, je vais lui dire. Renet. Donc voilà ici, on peut choisir pour ceux qui ont jamais fait le bloc royal que l'on veut. Moi je prends toujours, enfin je peux jamais prendre le griotte parce que comme je tape feu en majorité, ben, ça va mettre du temps si je prends autant. Je prends souvent le Renet parce que c'est celui que la clé avance vendait le plus cher. Donc voilà. Là, on va essayer de faire express. 100% K, qu'est-ce que je fais? Non, je vais faire imprévisible. Je prépare un kaboom. Je vais lui dire de faire roulette. S'il l'a. Normalement, il devrait l'avoir au niveau 40. Je crois que roulette, c'est niveau 21. Oh, c'est quoi ces jets de merde? Et en plus il reste 2 PV. Oh là là. En plus je pense que je tacle tout le monde. Pourtant j'ai plus que 56 de tac. Ça devrait changer mais... Je tacle toujours pas mal dans ce moment-ci. Alors, qui est-ce que je vais devoir taper? Ben, lui, toi, tu vas ramasser. Voilà, un petit one shot. Je vais me donner un deuxième PA.
Là je me ferai un kaboom juste après pour pouvoir le garder un tour de plus. Et là espérons que ça va me montrer le blob royal. Dans l'imprévisible c'est vraiment pas mal. Ouais, mais je vais avoir lui qui va m'emmerder. Pour les biens du... Oh merde. Bah tant pis. Sorte de lui faire bien mal. Tant pis, on a raté le chat, j'ai essayé. Donc les bombes lui ont fait... Bah, la première lui a fait 1368, c'est bien beaucoup ça il me semble. 465 et 301, je fais 2000. Oula, j'ai écrit en troll. Donc là, maintenant que le chat est foiré, on va bourriner. Donc, c'est pas mon PC, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est sur le PC de mon frère parce qu'il y a. L'épisode 9 de Capitan Jurassic est en train de faire le rendu sur mon autre PC. Donc je lui ai gentiment emprunté son PC en attendant. En plus c'est sûrement une des dernières vidéos où vous risquez de me voir en mode feu. Parce que je vais essayer aujourd'hui vraiment de trouver un Kimbo. Parce que j'aimerais vraiment passer en haut pour voir ce que ça donne. Mais j'ai déjà été testé un peu sur la bêta et franchement c'est pas mal. Donc voilà. Et une fois qu'on est arrivé ici, on avait le choix de faire le bloc multi. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec mon roublard en mode eau ou en mode feu. Ou soit un coliseum, je verrai bien. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.